فيما يخص لي موتيفاسيون تو اي بارتي سيتي ديبي 2007 avec un décret qui était pratiquement signé par le ministère de ministre de finances et le ministre de la fonction publique qui malheureusement porte préjudice d'une façon flagrante au statut de l'ingénieur contrairement au statut des autres professions qui sont malheureusement pour nous plus mieux organisées, notamment les médecins, les vétérinaires, etc. Et Siwal Alou, qui était Fadik Lwakt, ministre des Finances, il a rajouté parmi les privilégiés les experts comptables. Alors là, les ingénieurs, d'une façon générale, et notamment les ingénieurs de la fonction publique qui étaient très conscients de la portée de ce décret, ils se sont mobilisés. Alors on s'est mobilisé comme ça, pourquoi ? Parce que l'UNIM, malheureusement, Fadik Lwakt, il était à l'arrêt pratiquement depuis 13 ans, 14 ans. Il était complètement à l'arrêt. Et finalement, il n'y avait aucune instance qui peut parler au nom des ingénieurs. Alors, il y a une mobilisation. D'abord, il y a un collectif qui s'est formé d'une façon spontanée dès les associations des écoles d'ingénieurs, où il y avait tous les responsables, les présidents, ils étaient présents dans cette collective, plus les anciens bureaux nationaux de l'UNIM. Ils se sont associés à ce collectif pour faire vite et essayer d'arrêter, de bloquer en quelque sorte le décret. Alors c'est dans cette réflexion et dans cette mobilisation qu'on s'est dit, il est temps maintenant qu'on crée une structure pour pouvoir défendre les intérêts de l'ingénieur. Sachant que l'UNIM, c'est une association, c'est-à-dire juridiquement parlant, l'UNIM, l'Union nationale des ingénieurs marocains, c'est une association et il n'a pas le caractère du syndicat. Et on s'est dit, il faut qu'on crée un syndicat et de voir comment faire réactiver de nouveau l'association des ingénieurs l'UNIM. Alors, j'tarlna avec l'Ikhwan, notamment Silaïsi, qui était hadr ma'ana le collectif. On a travaillé d'une année avec l'Ouart, j'étais président de l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia et en même temps, je pilotais en quelque sorte ce collectif et on se réunissait d'une façon régulière au niveau de l'école Mohammedia. Et on a pu effectivement, une journée, on a organisé une journée pour réfléchir sur la question. On a pu rassembler pratiquement 1500 ingénieurs dans la grande salle de conférence de l'école Mohammedia. Alors, au terme de cette grande conférence, débat, et il y avait un débat très riche, très, très animé, très motivé. On a arrêté les choses suivantes. Premièrement, création d'un syndicat national des ingénieurs marocains. Deuxièmement, à la FAQ, de créer l'ordre des ingénieurs. Et troisièmement, c'est d'essayer de faire revivre et de réactiver l'UNIM. Donc, en quelque sorte, on est parti sur le principe que l'espace de l'ingénieur, il doit être occupé par trois piliers. Le pilier syndical, le pilier associatif et le pilier de l'ordre. C'est là, c'est comme ça qu'on est parti. Et il y avait tous les anciens responsables de l'UNIM, les ingénieurs, on était 1500. Alors, on a commencé à travailler sur la création du syndicat. Et effectivement, il y a une mobilisation très forte, très très forte. Mais malheureusement, je entame le deuxième volet, malheureusement, il y a eu quelques tendances politiques qui se sont carrément opposées à la création de ce syndicat. Notamment, et je le dis, les partis de gauche et à leur tête l'UCFP. Au point où des membres bien placés de l'UCFP, ils m'ont contacté avec presque des menaces pour arrêter
comment dirais-je, les dispositions pour la création de ce syndicat. Mais malgré ça, avec la volonté des ingénieurs et fort des recommandations de 1500 ingénieurs, nous avons continué. Et on a arrêté le jour de le premier congrès pour la création du syndicat, le 17 mai. C'est un samedi. Alors, vendredi soir, donc on a préparé pratiquement tout ce qu'il fallait. On a pu avoir l'amphi d'Alunim, on a pu avoir l'autorisation des autorités pour le samedi matin à 9h, et nous avons préparé tout ce qu'il fallait en matière de restauration, en matière d'accueil, etc., etc. Et en matière de tout ce qui est communication et médiatique. Alors, vendredi soir, j'ai été voir le directeur de l'UNIM et tout était clair et il m'a rassuré que tout est bien préparé. Le lendemain, il pleuvait d'ailleurs, je me rappelle très bien de la journée. C'est Daoudi. Il pleuvait un petit peu. Allô? Daoudi, excusez-moi, je vais vous arrêter un peu. Oui. Rapidement, est-ce qu'on peut récapituler? Apparemment, les gens n'ont pas de sorte de mzien. Quand tu as, est-ce qu'on peut récapituler rapidement? Je t'annonce la partie de l'USFP rapidement. D'accord, ok. Merci. Michel, d'abord, oui. Vous entendez encore mieux. Il le confirme sur le live. Oui. Désolé. Alors, rapidement, je disais que ce syndicat, quelle était la motivation principale de la création du syndicat? C'est suite à un décret qui était en cours de préparation, pratiquement, il était préparé, il était presque signé par un ministre, entre le ministre des Finances et les ministres de la fonction publique. Ils préparaient un décret pour l'évaluation des cadres. Ils ont mis dedans les ingénieurs, mais malheureusement, ils ont écarté certaines professions, notamment les médecins, les vétérinaires, toutes les professions qui étaient organisées, qui ont un ordre. Vous savez que l'Ouart Siwal Alou, qui était ministre des Finances, prallombant dans ce cas, il faut que j'écarte les experts comptables. Donc, les ingénieurs, ils étaient dans le lot, dans le tout venant. Et les ingénieurs qui ont senti vraiment le problème et l'impact de ce danger, on s'est mobilisé d'une façon spontanée et on a créé le collectif des associations, notamment les associations des anciens des écoles d'ingénieurs, plus une grande partie des bureaux nationaux de l'UNIM. Malheureusement, l'UNIM Fadik Louart, il était à l'arrêt pendant 13 ans, là 14 ans. D'accord? Et on a commencé à travailler. Finalement, on a préparé tout ce qu'il fallait pour préparer le premier congrès pour la création de ce syndicat. On a eu les autorisations qu'il fallait. On a pu avoir avec le directeur de l'école de l'UNIM, que je remercie à cette occasion, les locaux de l'UNIM pour tenir ce congrès. C'était pour le 17 mai. C'est un samedi. Vendredi soir, j'ai été voir le directeur de l'UNIM. Et on m'a rassuré que tout est clean, tout est prêt pour recevoir le lendemain les 800 à 1000 congressistes qui devraient venir pour la création du syndicat. Le lendemain, vers le coup de 8h30, en se déplaçant sur l'Elim, on a été malheureusement surpris, je dis bien surpris, de trouver que l'école, pratiquement les amphis sont fermés, les salles sont fermées, tout est fermé. Alors, j'ai essayé de contacter le directeur de l'école, il ne répondait pas. On a essayé de contacter l'Ouali, il ne répondait pas. Personne ne répondait du côté administration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, auparavant déjà, il y a des hauts responsables de l'UCFP qui m'ont contacté pour me demander d'arrêter le processus de création du syndicat. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, fort des recommandations des 1500 ingénieurs et du collectif des anciens des écoles d'ingénieurs, on s'est dit qu'il n'en est pas question d'arrêter, il faut aller jusqu'à la création du syndicat. Alors, lorsqu'on est arrivé, voilà le résultat, et apparemment, je dis bien apparemment, c'est encore l'intervention de l'UCFP, qui était Fadik Louart Fulhukuma, qui a intervenu et il a pesé de tout son poids pour que ce congrès ne se tienne pas.
Alors, lorsqu'on s'est trouvé avec les 800-900 congressistes au niveau de l'UNI, mais il pleuvait, on s'est concerté avec les juristes et on s'est dit, nous avons l'autorisation de tenir ce congrès au sein de l'UNI. Ce n'est pas dit au sein de l'ONFI. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de tenir notre congrès dans la cour de l'UNI. Et c'est ça qui explique que tout ce qu'on a trouvé pour mettre un peu l'orateur en hauteur et de pouvoir s'adresser à la foule, on a trouvé une caisse d'y les agrumes et on se met dessus, la cour, on se relayait dessus, les orateurs se relayaient sur Hadik la caisse. Voilà l'histoire un petit peu de la caisse parce qu'ils nous ont poussés en dehors de l'amphi. Alors nous avons créé le syndicat avec trois objectifs. Trois objectifs. D'abord, le premier objectif, là, on s'est dit, on n'est pas dans une logique de syndicat revendicatif, via les syndicats classiques, etc. On est dans une logique de force de proposition pour pouvoir contribuer au développement des structures où on travaille et pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Parce qu'on part sur le principe que la structure ou la société ou l'organisation où je travaille, s'il n'arrive pas à se développer, moi, en tant que salarié, en tant qu'ingénieur, je ne peux pas me développer. Et par voie de conséquence, il faut qu'on fasse le maximum pour développer la structure et, chose qui est tout à fait naturelle et légitime, se développer avec et améliorer les conditions morales et financières avec. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la création de l'ordre des ingénieurs. Alors, pourquoi l'ordre des ingénieurs? Parce qu'on s'est rendu compte que d'abord, il y a un vrai problème au niveau de la formation de l'ingénieur. C'est qu'on se rend compte de plus en plus que n'importe qui, n'importe quel et quel privé, il s'érige en école d'ingénieur et qu'au niveau de la profession, il y a un désordre terrible. N'importe qui peut créer un bureau d'études, soi-disant qu'il l'appelle bureau d'études d'engineering, même s'il n'est pas ingénieur. Donc, il y avait un désordre complet. Et en plus de ça, on était complètement envahi par les engineering de l'extérieur. Le bureau d'études, l'ingénieur marocain pratiquement, ne couvre que 20% des études d'ingénierie au Maroc. 80%, ils étaient réalisés par l'extérieur. Et le troisième point, c'est de réhabiliter en quelque sorte le statut de l'ingénieur. Pourquoi? Parce que l'ingénieur, on a fait les calculs, rit depuis pratiquement 1997 sur 10 ans, 95 jusqu'à 2007, il a perdu presque 50% de son pouvoir d'achat. Je dis bien, et ça, on l'a démontré par A plus B, que l'ingénieur a perdu 50% de son pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'ingénieur, malheureusement, qui est appelé à innover, à créer, il se trouve toujours, souvent plutôt, dans des fonctions de la gestion de l'acquis, et non pas de la gestion de réflexion et la gestion d'apporter et de créer de la richesse. Et souvent, malheureusement, l'ingénieur, surtout la fonction publique, notamment au niveau des communes, il est complètement marginalisé parce qu'on trouve au niveau d'une commune quelqu'un, pour des raisons politiques, dans un bureau. Voilà un peu les piliers sur lesquels on s'est parti au départ. Donc, on a dit force de proposition, et revendicatif, bien sûr, pour défendre les intérêts de l'ingénieur. Et ça. Deuxièmement, la création de l'ordre. Et le troisième point, c'est de réhabiliter le statut de l'ingénieur. Alors, lorsque je parle de l'ingénieur, on a commencé par la fonction publique, mais l'ingénieur dans le privé, il était présent. Parce que l'ingénieur du privé, il est plus exposé à l'injustice que l'ingénieur dans la fonction publique. Parce que dans le privé, il peut aller jusqu'à des licenciements vraiment abusifs
et il n'est pas du tout protégé. Moi, j'étais directeur des ressources humaines d'une grande multinationale où on gérait pratiquement 2000. C'était beaucoup plus difficile pour moi, de, même si c'est justifié, de sanctionner un non-ingénieur que de sanctionner un ingénieur. Pourquoi ? Parce qu'un non-ingénieur, il était protégé, mais par contre, un ingénieur, il n'était pas du tout protégé. Et ça, on peut prendre plein d'exemples dans le privé. Voilà un peu, grosso modo, les soi-disant, comment il a été créé. Mais je dis et je redis, c'est qu'on a eu, et ça c'est malheureux, on a perdu beaucoup de temps parce que, et jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi, certains partis politiques, ils ont tout fait pour bloquer ce syndicat et ils ont continué après à le bloquer lorsqu'ils étaient dans le gouvernement. Et je le dis parce que Kaïchad Tahrir, l'UCFP ou l'Istiklal, ils ont joué un rôle très négatif pour l'intérêt de l'ingénieur et de l'ingénierie au Maroc. Et bien que l'Istiklal, je reconnais qu'ils se sont revenus et ils sont tout à fait prêts maintenant pour la création de l'ordre. Et ils ont essayé de créer une ambiance, comment dirais-je, favorable pour réunir les forces de l'ingénieur, parce que là aussi, l'UNIM, qui était morte pendant 14 ans, et c'est suite à cette rencontre qu'on a organisée à l'école Mohammedia qu'on a pu revivre l'UNIM, après l'UNIM, par certaines tendances au sein de l'UNIM, ils ont joué un rôle très négatif pour la communauté de l'ingénieur en voulant rester tout seul l'espace de l'ingénieur, en zappant toute initiative concernant les ingénieurs, et ils ont tout fait depuis la création du SNIM et probablement jusqu'à présent, bien que le président actuel de l'UNIM, il a fait des choses extraordinaires et on a failli pratiquement aboutir, mais à la fin, malheureusement, ça n'a pas donné ses fruits. Ils ont tout fait pour tuer toute initiative qui vient sur Sahel Hendassa et notamment le problème du syndicat et peut-être d'autres tentatives ou initiatives qui peuvent se créer pour défendre l'ingénieur et l'ingénierie au Maroc. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition.